un rendez-vous. Sure.
cas de dialogue permanent, institutionnel, inclusif entre nos Haïtiens, en vue de partager des idéaux du vivre ensemble, du bien commun, de l'amour pour cette terre qui nous est si chère et que nous avons le devoir de construire ensemble. Pour ça, c'est symbole unité. Les doigts et nous aider soudés l'un à l'autre. Pour penser ensemble et réussir ensemble. Amis, nous nous développons pays nous et dans le terre ensemble. On va continuer à division, à chier vite. Qui va mener nous aucun côté. En soudain, rassemblement. C'est dans l'esprit ça. Pour faire, pour comprendre toute importance, slogan ou choisi, célébration de la croix à des âges. La carrière fort des coups de la boue, homme ou pays. Société trop déchirée, société trop inconvénient, homme ou pays. En recouvrant un petit monde pour jeunesse, en nous bâtissant notre société sans force ou pays, côté pour respecter l'autre, côté pour rebâtir l'autre société sans force ou pays, côté pour respecter l'autre, côté nous tous pour être conquis, plus bien nous gagner, c'est Haïti. Devoir nous, c'est pour les jeunes. En refait une loi 1803 à une loi 1804, nous collons les épaules pour nous mener une grande bataille pour l'éducation, pour la science, pour le progrès actif. Il y a presque 250 ans, le 10 décembre 1772, et c'est Kapital France, sur ce territoire qui deviendra par la suite notre pays. Elle était loin d'avoir le statut de citoyenne, mais le désir de vivre libre a été pour elle le plus incroyable et le plus efficace des catalyseurs. Nous avons besoin de revenir sur les conditions qui ont conduit à la création de notre couleur. Un nouveau sens au rêve de Kapital et de tous ceux qui nous permettent aujourd'hui, même au milieu de la tempête, de lever la tête pour regarder notre drapeau. Madame la ministre de la Culture, nous reviendrons ici, le gouvernement, célébrer le 2 décembre, les 250 ans de Kapital. Chers concitoyens, chers concitoyens, l'écho des voix de ces apôtres de l'Union fraternelle vous convient à un autre congrès, celui de la réhabilitation de ce pays à travers le congrès national, le congrès des gouverneurs de la Causée, le congrès de la paix à vos humains. Voilà ce qui, à quoi nous invite ceux qui ont donné au pays leur savoir militaire, leur énergie, leur courage, leur sueur, leur sang, leur jeunesse. Nous félicitons les leaders et les parents. Vivons dans la diaspora qui ont insufflé aux jeunes le coup de la célébration du drapeau. Ce concert de voix patriotique, chaque
lancé dans tous les combats. Cette jeunesse porte l'étendard de notre drapeau et est toujours la sentinelle de la nation. En 1791, Jean-Jacques Dessalines était dans la trentaine. D'autres étaient au tout début de leur vingtaine. Ils en étaient parrains, ils en étaient parrains pour la majorité de ces curieux révolutionnaires. C'était cette jeunesse héroïque et obéie qui avait affronté résolument la mitraille des époux. Je dis à pays à nous camper pour côté jeunesse. Les actions de la police nationale et des forces armées d'Haïti dans le
collectif. C'est de cet esprit qui m'anime depuis le premier jour de ma prise de fonction et qui continue de m'habiter et de me guider chaque fois que je prends l'initiative d'aller vers les autres compatriotes qui, au fond, sont des Haïtiens et des Haïtiens capables de transcender. Tout en continuant à avancer dans la dynamique de la reconstruction de nos institutions et de la remise du pouvoir à des élus du peuple, je veux, avec l'ensemble des membres de mon gouvernement et avec tous les acteurs politiques et de la société civile qui partagent cette vision, je veux continuer à tendre la main et contribuer à la réconciliation et à l'unité du peuple. Religieux, de l'université et du secteur privé à poursuivre
Bienvenue.